mange afgange i kapono og Hawaii. Just imagine all king and queen visit all these islands and saw everything. How would they feel about this modern city life? How would they feel? Would they smile, be content, and then cry? Nous sommes dans la baie de Anaho, à Nukuhiva. Et c'est un lieu d'où sont originaires mes ancêtres. Ma grand-mère est d'ici, de la tribu des Kaniho. Et c'est aussi l'endroit où j'ai grandi. Je suis né à Paris et je suis arrivé ici quand j'avais 4 ans, 4 ans, 5 ans. Et à partir de là, ben, j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 15 ans où je suis allé sur Tahiti pour aller à l'école. Et je me suis mis à travailler dans l'audiovisuel, à la télé et aussi dans la musique. Et j'avais pour projet de créer quelque chose de nouveau. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me questionner sur mon identité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une grande partie de moi-même que je ne connaissais pas. C'était la culture marquisienne du côté de mon père. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de voyager, parce que je voyais cet endroit comme une limite, en fait. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mes voyages, que l'endroit le plus extraordinaire que je connaisse, c'est d'où je viens. Et donc ça m'a donné envie de revenir ici et de vivre ici.